Ça marche pas. Ah, si, ça marche. Je t'entends peut-être pas en fait. Ah. Je t'entends. Tu m'entends? Oh. Voilà, c'est bon, je t'entends. Bonjour à tous, bonjour. Et ben on est en live. Je suis en train de faire les petites news là. On est en live du coup pour du plaisir. J'adore le plaisir. Le Nintendo Direct Partner, le troisième du nom, le troisième en 2 mois. Donc, c'est la fête, c'est la fête. C'est vrai. Comment vas-tu, Akiko? Tu me rejoins aujourd'hui. On a une petite pension. Il est super clean. Bah oui, il est super clean mon son. C'est grâce à mon super micro qui déchire. Moi, le mien est moins clean parce que je suis en vadrouille. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, alors ce troisième Nintendo Direct Partner, celui de septembre, qui se déroule bizarrement juste avant le Tokyo Game Show. Bonne nouvelle du coup. Qu'est-ce que tu attends toi, Akiko? Ah, Final Fantasy XVI sur Switch. Non, je déconne, ne me tapez pas. Honnêtement, je sais pas. J'aimerais bien, je sais pas si t'en fais partie du coup, mais s'ils doivent annoncer Bravely Default, tu penses qu'ils le feront dans un partenaire? J'ai l'impression quand même que le jeu est quand même plutôt édité par Nintendo. Donc Tu penses après, qu'il est édité par Nintendo? Parce que c'est Square Enix hein, qui le fait, on est d'accord? ouais, mais je crois que alors je vais regarder, mais je. Alors Scramble a été annoncé, hein. Il est annoncé hein, directement, mais il est annoncé. Je pense Oui. que Square, attendez. Ouais, Square au Japon peut-être que c'est un tiers, mais en Europe, tu vois, les Dragon Quest sont édités par Nintendo. Ouais. Donc on n'aura pas ça. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir Project une. Octopath. Après, ça veut rien dire parce que regarde, il y a le premier partenaire direct bon, qui était foiré. Ouais. Il y avait eu Zelda. Enfin le petit truc là, le Cadence of Hyrule. Alors on voit Need for Speed Pursuit et Apex Legends. Effectivement, les rumeurs parlent aussi de Mass Effect Trilogy. Ouais, Donc mais ça m'intéresse pas tout ça, Ah, moi. franchement, Mass Effect, je pense que tu as un mauvais avis dessus. Je pense qu'il pourrait t'intéresser. C'est pas que j'ai un mauvais avis, c'est que c'est pas des jeux qui m'attirent plus que ça à la base, quoi. Mais bon. Ah. Après, pourquoi pas, hein? Eh ben, tant pis pour toi. je suis en train de faire la news qui prévient les gens qu'on est en ligne. Hop là. Moi aussi, je pense que je le prends direct, Mass Effect. Et la grosse rumeur du jour voudrait que on ait la sortie, enfin l'annonce d'un Monster Hunter spécifique Nintendo Switch, Oui, c'est vrai que j'ai vu passer cette information aussi. avec des informations qui auraient leaké. Alors, on a fait un article dessus, hein, je vous invite à aller lire. Le aurait leaké est vraiment, ouais, c'est vraiment, elle l'aurait peut-être leaké quoi. Mais bon. Apparemment, Mass Effect Apex est annoncé pour la fin d'année. Il n'y a pas plus de précision pour l'instant. Mais oui, ça semble être plus pour octobre. Octobre-novembre. Octobre-novembre. Alors, hop, un peu de vidéo. Hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 Bob l'éponge. Disco Elysium. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Disco Tiens, un Elysium. truc avec une boulette disco qui se passe Mais c'est dans un le dé, monde ça, non? d'Elysée. C'est Hein. un. Je sais Non, c'est un jeu estonien, un dé. Non, c'est un partenaire, pas un indé. Non, il n'y aura pas Disco Elysium. Du Il n'y coup, aura c'est pas. des jeux qui sont relativement gros, mais pas trop quand même, C'est au ça. final. C'est le Nintendo Direct entre deux, dirons-nous. Salut Végète, bienvenue. Comment ça va dans le chat? Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Peut-être? On t'entend bien, on t'entend bien. Ah, Salut, très bien. Soupa Tomato! Et Végette, Ah oui. bienvenue à vous. Bah, vous pouvez aussi donner votre avis. Qu'est-ce qui va être annoncé aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas être annoncé? Alors, on peut faire la liste des jeux qui ne seront pas là. Il n'y aura pas de Zelda, il n'y aura pas de Mario.
Bon, pourquoi? Bah, c'est pas des partenaires. Il n'y aura pas Metroid, il n'y aura pas Pokémon. Je suis aussi assez chaud pour Monster Hunter, je dois l'avouer. C'est d'ailleurs l'une des news les plus lues de la journée. Bah Persona ouais, tu 5 m'étonnes. Royal, c'est possible, hein. Il n'y a rien qui l'interdit, hein. C'est Franchement. pas un gros studio, Persona? Bah c'est Altus quoi. Ouais. Tu vois. Oui, effectivement, ça pourrait. Altus Moi, c'est ce que j'aime bien Sega. quand ils font c'est une directe, en fait, c'est tous les gens dans le chat qui ragent sur un Mario ou un machin, et en fait, ils ont pas compris le titre du live. Ah ça par contre. Ah bah ça, c'est tout le temps, hein. On a beau faire des articles, on a beau expliquer par A plus B 5 fois par jour. Les gens, ils S'en disent foutent. ce qu'ils veulent. Bon, faut que je prenne un crayon au cas où il y a un truc intéressant. Et d'ailleurs, ce soir, du coup, Sakunana Rice a déjà été annoncé. Donc on ne peut pas réannoncer un jeu déjà annoncé, mon ami. D'ailleurs, en parlant de ça, ce soir, il y aura un autre direct. Pas un officiel Nintendo, mais un Oui. direct fait par nos collègues de Nintendo Life et qui sera consacré aux indés. Voilà. 3h45. À C'est ça? 23h45, 15. 15. Ah merde, j'ai mal lu. Ah, excusez-moi. 45, Il c'est pour autre chose, Akiko. On va éviter d'en parler ici. Ah bon? Bah, c'est un embargo. Ah oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi, j'ai confondu. Ouais, Pardon, ouais, pardon. ouais. Trop d'informations tuent l'information. Ah, j'étais sur Pôle emploi tout à l'heure. Ils m'ont volé. J'en peux plus. Vive la France. Bon, alors Bayonetta 3 ne sera pas dans ce direct, c'est impossible. Édité par Nintendo, ça aussi. Alors c'est pas forcément édité par Nintendo, c'est un direct. Enfin, officiellement c'est Sega et même limite tout court Platinum Games, mais non, aucune chance. Voilà, autant se calmer tout de suite, cela n'arrivera pas. Voilà. C'est pas que ça, j'aimerais bien que ça arrive, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Alors, pendant ce temps-là, on tente de faire des news quand même. 58, ah non, il me reste que 2 minutes, j'aurais pas le temps de faire des news. Moi, j'étais en train de faire des tests, mais je pense que ça va attendre aussi. Ouais, je suis en Un train jeu Blizzard. de travailler. Un jeu bizarre, mais lequel? Ouais, c'est ce que C'est j'étais ça en le train de problème, hein. chercher. Ils vont nous sortir Warcraft 3 sur Switch. Remarque, Warcraft 3 sur Switch, et bah c'est con, mais je le prends, quoi. Souvenir. Moi j'ai été un très très gros joueur de Warcraft. Mais vraiment un très très. Enfin, quand je dis très très gros joueur, c'est vraiment un très très gros joueur quoi. Et cette fois-ci, MMO? non, le jeu Warcraft 3. Le jeu de Et avant le stratégie. MMO, quoi. Oui, avant le Je m'y MMO, tiens tout à aussi. fait. Salut Navas. Je suis arrivé top 25 européen avec un ami. Ouais, non, moi j'en étais pas là, moi. J'en étais à me faire traiter de déesse par les petits bonhommes, c'était très bien. Déesse, montre-moi la voie. C'est ça. Ça me plaisait bien. Il reste 1 minute 25, messieurs dames. Est-ce que tu vas regarder en même temps, j'imagine? Si tu veux de synchro avec moi, je suis à 1:17. Si tu veux pas de synchro, bah tu synchro pas, tout simplement. On va essayer. Ça va bien, partager l'écran 2. Mais non, mais fais pas ça, toi. Hop là, je suis à 41, 40. T'en avances sur moi. C'est une blague? Je suis en avance? Bah ouais, moi je suis à 52. Ah, j'ai pris sur Nintendo FR, moi. Sur Moi je suis Twitch. sur le YouTube, c'est pour ça. Ouais, c'est pareil. Ouais, on t'évitera de crier trop fort Si, les c'est bon. annonces. Tu parleras avant moi, comme ça C'est ça. j'attendrai un peu. Mais moi, je suis un peu naze, je sais pas pourquoi. Prends Sûrement trop de parce que j'ai mal drogue. au cou. Ouais. Hop là, c'est bon. J'ai le chat, j'ai la vidéo, j'ai tout. Ah, si t'as tout, on va pouvoir y aller. Il nous reste 14 secondes. On Ouais, aurait été un tout petit pile jeu à l'heure. sympa. Hein. On aurait été tout pile à l'heure. Hein. Je vais ranger tout ce qui est en train d'être fait.
Hop. Et voilà, Une on est dizaine. parti. Joli ça. Arrête. On est encore au Covid, nous. Hein? Ah, moi j'ai dit que c'était joli. Ouais. J'ai pas dit ce que c'était, je Salut sais pas ce Fanté. que c'est. Salut Fanté. Ah, mais si, c'est peut-être. Je sais pas. Salut Parco. Déçu par la PlayStation 5 hier, tu n'es pas le seul là. Oh non. Et là on Ah, ben ouais, commence. c'est bien ce que je pensais que c'était. Je dis rien. Si vous avez lu la news de ce matin, vous savez déjà ce que c'est, j'imagine. Et si c'est le cas, ça veut dire que la PlayStation 5 n'existe plus. Et c'est à peu près le cas, je crois. Ça. Oh là 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 là, c'est lourd ça. Ouh là là, c'est lourd. Il est beau. Oh là 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 là. Oh, hein. C'est fou, on vous l'avait dit. Monstrueux. Je vais pouvoir regarder plein de streams. Ah ouais, là c'est sûr. Mais on va le stream des jours et des jours, ça. Je peux vous le dire, dès qu'il sort, pendant les 10 prochains... les 10 Alors, par prochains mois, je contre, stream que ça, moi. est-ce que c'est en coop ou pas? Ah oui, c'est de la coop, Monster Hunter. Ah bah, pas forcément, les Ah, premiers, il n'y avait pas de coop, si. ah si, si, si. Ah ouais. Là, il est tout seul, le petit monsieur. Ah, mais Ouais, après, il y a oh deux là là autres. là, il y a le retour de l'arc, c'est bon, je vais pouvoir grinder comme la dernière fois. Mais c'est le premier qui me donne envie de Monster Hunter. Il est génial, il est beau, hein. Il est très très beau. Hein. Il est très très beau. Ouais. Et puis le concept avec les montures et tout, je trouve ça sympa. Oh ouais, c'est énorme. Ouais, C'est bien parce qu'ils ont réussi à casser la rigidité de l'ancien gameplay sans trop aller sur le vache. gameplay de Worlds. Et là, on parle bien, D'accord. j'ai l'impression que ce sera quand même une exclusivité Switch, ce qui risque de faire jaser. C'est possible, c'est pas encore. Moi je l'ai pas encore vu. Sachant que pour l'instant... Oh là 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 là. Bon voilà. Comme on vous l'annonçait il y a quelques... ce matin, Monster Hunter Quelque Rise. chose. Voilà. Le 26 mars 2021, comme on vous l'annonçait ce matin. Akiko, d'ailleurs, je te préviens tout de suite, il faut faire les fiches tout de suite après. Hein. Oui, monsieur. Édition Deluxe qui sera déjà la mienne. Précommande, bien sûr, tout de suite. Prenez mon argent. Oh. Prenez mon argent. Argent, prenez. You can play the latest installment in the Monster Hunter series wherever you are and however you'd like. Mars, ça me va très We've bien. prepared a trailer for another title, so please take a look. Et ils vont balancer Monster Hunter Stories 2. Et là, je me roule à terre. Et voilà. Oh là 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 Je là là là. pense que tu peux déjà le faire. Oh mon Dieu. Ah, celui-là, il va te donner envie direct. Ouais. Mais oui, mais je suis en avance moi, donc je l'ai vu déjà, Ouais, et il je me sais. donne vraiment déjà Mais oui, je envie. sais, je sais, je sais. Ah, Stories, oh là 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 là. Ah, les Voilà, graphismes sont je vous magnifiques aussi. l'annonce, mesdames et messieurs, Capcom vient de découvrir que la Nintendo Switch existe. Et pour la première fois, sort deux jeux complètement originaux, hormis Street Fighter 2 Remake trois fois. Et sort deux monstruosités. Ces deux jeux seront sûrement les jeux de l'année 2021. C'est vraiment des jeux exceptionnels. Pour moi, voilà, je suis désolé, hein, mais ils annonçaient ça sur PS5, j'ai acheté une PS5. Et là, ils sortent sur Switch. Et voilà, Stories, c'est ouf, quoi. Sauf le premier, c'est lequel? C'est celui qui est sorti sur 3DS? Ouais. Ouais, c'est celui que j'ai. Pour vous C'est dire, le seul j'ai encore le kit de presse dans mes toilettes de Stories, tu vois. j'ai. Ah, j'ai pas eu ça, moi. Bon, ben voilà. Ah, super. Ça sort. Cet été. Cet été, on en était là, non? L'été prochain du coup. L'année prochaine. Ouais. Vivement le reconfinement. Oh là 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 là. Oh.
Ah, Nintendo Direct Mini, c'est de la merde! C'est nul, les Nintendo Direct Mini! Attends, Y'a jamais d'annonce, hein! C'est alors le Stories est la version RPG un peu plus kawaii des Monster Hunter. Ouais. Voilà. Tu peux capturer les Pokémon. Enfin, les... Oh! Il y a un Monster Direct après! T'as vu? Oh! J'ai rien dit, t'as vu? Je suis mignonne! Bon, bah, on va continuer, hein. Ce jeu. Ah! Fitness Boxing 2? Ben ouais! C'est cool, le 1 était sympa. Voilà. Le 1, je me suis fait la cheville dans ma cuisine en y jouant. Ah! Mais bien! De quelle voix tu parles, Navas? La voix du présentateur. Ah, sûrement. Tu peux faire de la boxe en maillot de bain. Oh bien. Oh là, il est costaud lui. Ah oui, c'est le 2. Mais ils l'ont dit dès le début. Hein. J'ai loupé l'info, tu sais. S'en bat les couilles du Oh, coach. C'est mignon. Oh. Ah, Akiko, je te jure, mais pause 2 secondes parce que ça va pas être agréable. Hein. Je dirais plus rien. Je peux pas mettre pause sur un direct. Le 4 décembre. Ah, bah tu vois, un nouveau jeu Nintendo Switch pour la fin d'année. Il n'y a pas de jeu. Bah voilà, vous en avez un. Hein. Vous vouliez pas celui-là? Bah ouais, c'est clair, mais. Voilà, le jeu, finalement, c'est pas par default, le 2, c'est. C'est pour maigrir après Noël. Alors, bah, Disgaea 6, et bah voilà, une belle annonce encore. J'en ai un peu trop à faire avant. Oui, mais bon, enfin, Disgaea, quoi. Ouais. Oh la vache. Ah oui, j'ai une petite voix aiguë! Mais j'arrive pas à la faire, tu vois. Ah, le niveau max 100 millions, bon, tout va bien. Get ready for an experience that defies common sense, genre, and destiny. Disgaea 6, Oui, Alexandre, tu as raté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu as l'annonce de 2 jeux majeurs, que l'on peut concrètement. Ouais, c'est clair. Plus, the previous title, Disgaea 5 Complete, will be free Ah, Disgaea 5 gratos, c'est cool ça. Déjà. De quoi déjà? Disgaea 5. Defend your turf. Ruthless criminal underworld. Ah, Parco est en PLS. Qui, moi? Non, Parco. Parco, c'est ton moment. C'est con, t'auras pas le test. Moi, lent que le précédent, mais il est bien, il est complet quand même. Ouais, enfin le précédent il s'est arrêté à 9 minutes, donc pile maintenant entre guillemets, Ouais. et on Oui. n'avait aucune annonce. Ouais, mais là il est plus long et il passe un peu plus de temps sur les jeux, ce qui est pas plus mal. Ouais, finalement c'est pas un mini, hein, excuse-moi, mais Non, mais oui. S'il dure 20 minutes, c'est clair que c'est pas un mini. C'est clair. Puis il y a 15 minutes de Monster Hunter après, quoi. C'est ça. Ça fait plaisir. Ça, par contre,
Ça, non. Enfin, les deux, là, non. C'est joli, remarque. Je trouve ça vache, moi. Bah là, les vues qu'ils ont en, en portable, qu'ils mettent, elles sont pas mal, je trouve. Non, QADOS troll, hein. T'inquiète. Qui dit... Here's a quick look at what else is coming to Nintendo Switch this month. It's a little too quiet in the long dark. Brave the quiet apocalypse in this exploration survival game. You're on your own as you journey through a frozen wilderness in the aftermath of a geomagnetic disaster. A chilling narrative awaits in the Wintermute story mode. Or enjoy hours of permadeath survival gameplay. C'est pour toi, mais c'est... Ah. Ah, aujourd'hui. Belle annonce. J'ai loupé le nom du jeu. Hit the links with friends locally or online. Or run full seasons and tournaments with online societies. A physical version of this game swings onto Nintendo Switch September 25th. Defy the God of the Dead, Greek mythology inspired dungeon crawler. Thousands of story events and ability combinations are a unique experience each time you hack and slash your way out of the underworld, wielding the powers of mythical weapons of Olympus. Ah non, c'est pas Hades. Hades comes to Nintendo Switch later today. Ah, Hades sort aujourd'hui. Wow. Bon, ça par contre c'est le nouveau Square Enix que, qui avait déjà été annoncé. Welcome to Wonderworld. Leo and Emma were led here by the mysterious maestro. Ils vont peut-être nous sortir une date. Ils avaient prévenu qu'il y aurait peut-être des compléments sur certains jeux déjà annoncés. Ouais. Hades aujourd'hui c'est hard, hein. Franchement. As Leo and Emma, you'll don costumes to wield a variety of abilities. Ride the wind to float in the air. Il est bizarre celui-là. Il est marrant mais bizarre. Perso, j'aime pas du tout. Mais ouais. Par le créateur de Sonic, c'est super. Une espèce de Banjo-y Kazooie mélangé avec un autre style graphique, mais justement Sonic peut-être, je sais pas. Spécial. Et il y a aussi du. Ah, le mec qui perd sa main. Est-ce qu'on offre des Greyman? Ouais, merci. Est-ce qu'on offre des codes pour Hades aujourd'hui? Peut-être. Peut-être dimanche. Balan is waiting for you. Balan Wonderworld will make its 26 mars, donc on a une date. Le même jour, on aura Balan Wonderworld de Square Enix et Monster Hunter qui va clairement écraser Balan. Ouh, Rune Factory 5. Ça, c'est attendu depuis longtemps. Les premières images de Rune Factory 5 qui ont l'air plutôt bonnes. En tout cas, la cinématique pète sa mère, c'est ça. À part ça, Nintendo Direct Mini, il n'y a pas d'annonce. Hein. Non, pas du tout. C'est encore un jeu chronophage, ça. Je vais mourir. Find a special someone to start dating, fall in love, and get married. A new battle system allows you to perform combo attacks with allies to take down monsters. Begin your life anew in a fantasy world when Rune Factory 5 comes to Nintendo Switch in 2021. Bon, lui, c'est instable, hein, franchement. All right. This next la dernière annonce, messieurs dames, la dernière annonce. Ce sera des photos de Akiko toutes nues. Oh non, je veux la dernière annonce. Ah, on s'y attendait pas. Ce sera pas Bravely Default 2, Bravely Default étant un jeu édité par Nintendo. Ce sera pas dans un partenaire direct. Dès au début, j'aurais bien aimé qu'il l'annonce, mais apparemment, voilà. Ah ben voilà. On s'y attendait pas du tout, mais vraiment pas. Ça veut dire qu'il a bien marché le premier sur... Non, ça veut pas dire qu'il a bien marché justement, ça veut dire qu'il faut qu'il sorte sur une console où ça va bien marcher quoi. Non,
qu'il a bien marché sur Switch, le premier. Ah oui, le premier, oui. Il sort quand, cette petite bête? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Je dis rien. Aujourd'hui. J'aime bien poser des questions stupides. Oh, la version collector. Ah ouais, elle est trop belle. Bon, mais voilà. That's all for today's Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Ah, mais ils enchaînent en fait. Stay tuned for Monster Hunter Direct. Salut. 12. Mais oui, c'est trop bien. Je crois que c'est ce qui me manquait en fait aujourd'hui. Ça y est, je suis réveillé. Tu m'étonnes. J'ai mis pause, mais je suis toujours en avance. Ils vont remettre la même cinématique, les cons. Ah, il abuse là. Voilà, le fameux Nintendo Direct Partner, qui n'était qu'un mini partner, qu'avec des portages, tout ça. Il a duré un quart d'heure. Il a duré un quart d'heure et il n'y a pas eu de portage. C'est pas faux. Eh, c'est que des jeux sortis sur PS. Mais non, mais il n'y a pas de jeu sur Switch, on est d'accord. C'est exactement ça. J'ai envie de me mettre tout nu. T'as la cam, fais gaffe. Ouais, je sais. Non, y'a pas la cam, si. Si, y'a la cam. Ah si, si. T'es en haut, en petit, sur le stream. J'aime bien la musique. De voir les gougous de... C'est quoi ça, les gougous? Elle est bien la musique. Hein. Mais tout est bien dans le jeu. Tout est bien dans Monster Hunter. On va voir les gouttes de Fire. Mon dieu. Console de game. Bon. Il nous a craché dessus la grosse bête. C'est vilain. Hein, c'est pas. Les bonnes grosses bêtes, elles font pas ça normalement. Hein. Après, on fera faire toutes les news et les pages, ça va être long, mais ça va être que du bonheur. Alors... Je vais juste attendre qu'il m'envoie le mail pour avoir toutes les images, ça serait bien. Oula, c'est pas dit qu'il l'envoie aujourd'hui, hein, malheureusement. Moi, je suis... On a une... ils vont faire bien. On n'a pas eu atelier aujourd'hui. Hein. Pour une fois, on est à l'heure. Ça a été annoncé un jour avant. Ouais, puis là, c'est en live stream, hein. C'est pas la même chose. D'habitude, c'est une vidéo lâchée sur YouTube. Là, on repart sur vraiment... C'est... Ils mettent mini. Alors, c'est un mini, mais on revient de plus en plus vers le vrai format du direct, quoi. Hein. Avec des trailers un peu plus longs. Ouais, c'est vraiment intéressant, hein. Franchement. On sent que... on se rapproche de plus en plus vers un direct. Et encore, on n'a aucun jeu Nintendo. Hein. Ouais. Pour une console qui n'a pas de tiers, c'est quand même pas mal. Hein. Le gameplay est génial quand même. Ouais, il est super dynamique et tu peux faire plein de trucs. Bon, c'était déjà dynamique, mais là tu peux faire encore plus de trucs. Ouais. Ah mec, mets-toi des cheveux quand même. C'est quelque chose. Le pauvre. Bah ouais, non, mais... En fait, maintenant, le parcours va être aussi interactif que les combats.
Cette petite histoire de flipomètre ou je sais pas quoi, ça dynamise énormément le gameplay en fait. Un flipoptère. Ouais. Ouais, j'avoue que ça. Et puis ça dynamise hors combat aussi, quoi. Ouais. C'est une bonne idée, ça. Te rapproche d'un Zelda, je trouve. Au niveau du parcours de la carte. Parce que du coup, tu peux monter partout et tout, alors qu'avant, t'étais quand même limité à certains parcours. Là. Là, tu peux monter sur les falaises et tout grâce au philoptère ou je sais pas quoi. Bah écoute, Alexandre, on ne peut être que content pour toi. On est content pour lui, mais il pourra plus jouer. Bah, c'est quand même. Bon, si. Justement, tu pourras te réveiller la nuit et puis. Moi, j'arrive pas à dormir. Attaque dès maintenant. Tu fais ta prière tous les soirs pour que le bébé dorme. Et comme ça, tu pourras jouer pendant tes congés paternité. Par contre, s'il dort 24 heures par jour, il y a un problème. Oui. Moi, je veux le loup. Chomsky. Ce serait mieux de jouer en coop avec le bébé, ouais, mais je suis pas sûr qu'au départ ils tiennent bien la manette. Ouais, ces gosses ils mettent du temps à jouer. Prends pas compte, toi, faut qu'ils apprennent à manger d'abord et tout, on n'est pas sortis. On va perdre par Koniko pendant 2 mois. Super, mais t'as de la chance, ils font une petite rediff là. Qui c'est qui fait une rediff? Non, il y a CryptoZuro qui vient d'arriver, Suro, pardon, et qui vient de demander ce qu'il avait loupé. Ah, bah en gros, plein d'annonces. Hein, plein d'annonces. Ah, par contre, tu vas être papa aussi? Mais c'est quoi ce bordel? Personne me prévient, moi. Arrêtez de faire des gosses. Bah, arrête, tu fais ici que tu as pu être là. On va continuer à te voir, hein, t'inquiète pas. Quand t'en auras marre, tu viendras pas un bol d'air frais avec nous. Tu viendras spam avec, avec Tyrannus, comme d'habitude. Ah, ils sont balèzes. J'ai beaucoup pas tout moche. Mon porte-monnaie va mourir. Alors je vois sur Twitter des gens qui se plaignent en disant il n'y a rien dans ce Nintendo Direct. Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Un petit peu. Ou c'est des gens qui ont vraiment pas de goût niveau jeux vidéo? Ou alors ils veulent juste des FIFA 12 en fait. Bref. On s'en fout. Comme si Coco dans Monster Hunter. Miel sur internet vaut mieux couper les doigts. Ça les empêche d'écrire des bêtises. Ah!
Bon, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils annoncent la Nintendo Switch spéciale édition Monster Hunter et... Ah, différentes versions. Il y a déjà la box et tout. Putain, il y a déjà la boîte. Oh, il y a des amiibo. Ah. Pardon. Édition Deluxe, ça c'est déjà pris. Les armures spéciales, je m'en fous. Vous, tu t'en fous? Elles sont moches. Oh, le loup, il est joli. C'est un chien. Ouais. Oh, je veux ce amiibo. Lequel tu veux, celui du mille? Bah, les trois. Ah, bah, t'as dit. Ah, il y aura une fusion entre les deux. Oh, oh, oh. Ah mais est-ce qu'il y a une version collector physique? Ah voilà. Parce que moi je veux la collector, enfin je veux l'édition spéciale mais pas en, en démat quoi. NPC. Bon, on verra bien. On est déjà à 51 minutes. Ah non, c'est parce non. qu'ils avaient le, ils avaient le, la pub avant. Ouais. Pardon. Ah, il passe à Stories 2. Tiens, très bien, très bien. C'est très bien, très bien, très bien. On est à 39 minutes en vrai. Oh non, un peu moins. Parce que t'as commencé à stream 10 minutes avant. Ouais, et ça a commencé à 15h, à 16h pile, donc il est 16h28, ça fait 28 minutes. Ah ouais, pardon, j'ai pas vu l'heure. Moi ça m'a perdu toutes ces annonces. L'alcool Akiko, l'alcool. Je vais peut-être en prendre, ça ira mieux. Oh comme il est trop beau. C'est Kiki. Il a l'air tellement beau. C'est Kiki qui stream du coup aujourd'hui. Kiki stream. Aujourd'hui, il y avait Jérém éventuellement. Mais ah. Il a pas confirmé depuis tout à l'heure. S'il y a personne, je ferais peut-être un stream sauvage, mais vu que je suis crevé, je sais pas. Ouais, tu feras bien. Là oui, effectivement, c'est un Monster Hunter Direct qui suit, qui explique un peu les annonces du jour, en fait. L'histoire a l'air un peu plus... Ah, c'est beaucoup plus intéressant en termes d'histoire. Ouais. Bah, c'est un RPG après, hein, donc... Oui, mais par rapport à... au premier, je veux dire. Ah. L'histoire du premier était vraiment toute mignonne, quoi. Je l'ai même pas fait, le premier. Mais ils l'ont sorti, la Switch était déjà là, ça va rien. Ah, je l'ai pris quand même, moi.
Mais bon, il y avait beaucoup de farms comme dans le premier pour avoir les monstres de la bonne couleur et tout, mais... Ouais, c'est ça que j'avais pas assez de temps à y consacrer. Bah c'était un peu merdique quoi du coup. Mm. Il donne envie celui-là quand même. Les deux, hein. Moi je trouve qu'ils sont super forts là pour le coup. Et il y aura des Monster Hunter le 25 septembre lors du TGS. Et le 26. Donc à peu près en même temps que le fameux Hyrule Warrior 2. Donc moi, je trouve qu'ils le TGS sera très intéressant. Ouais. Assez fort niveau présentation. Oui, ben on sait plus où donner de la tête hein, finalement. On sait plus où donner de la tête. Bon, mais ça c'est fait. Ben moi je suis encore sur le choc, hein. Je suis incapable de parler. Oh putain. Ah non, mais c'est trop bien, ils ont fait trop d'annonces sympas. Il y a plein de jeux, faut que je mette dans ma liste et j'ai plus de sous parce que j'ai plus de travail. Je vais mourir. Mais non, Akiko, il n'y a pas eu d'annonce. Putain, faut dire la vérité aux gens. Il y a eu plus de jeux aujourd'hui, enfin plus de jeux hypants aujourd'hui qu'hier lors de la conférence PS5, quoi. Alors, c'est pas faux. Monster Hunter Rise, Monster Hunter Story 2, Fitness Boxing 2, Disgaea 6, Defiance of Destiny, Empire of Sin, Sniper Elite 4, Wintermute, si j'ai bien tout suivi, Hades disponible aujourd'hui, je crois qu'il oui. t'avait dit. Oui. Voilà. Balloon Wonderworld le 26 mars, Rune Factory 5 en 2021, et Ori 2 aujourd'hui avec une version boîte toute belle qu'il faut que je me renseigne dessus. 149$. 149$? Oui. Oh. Donc ça veut dire que tu ne la prendras pas. Elle est trop belle pourtant. Ouais, mais 149$, les gars, arrêtez quoi. Mais non, mais elle va descendre de prix. Non, c'est le prix. C'est le prix officiel. Prix recommandé. Donc 149$, perso, moi j'ai tout de suite dit stop. Le collector sur Xbox, il était à 40€. Non, mais là, il y a les deux jeux. Au même. Ah ouais, mais... Bah écoutez, je vous propose, on va en discuter un petit peu, hein. J'imagine que vous avez plein de choses à dire. Vous, déjà, parmi tous les jeux PS5 à 80€, pardon, pas tous les jeux annoncés aujourd'hui, lequel retenez-vous, vous ? Pendant qu'on essaye d'aller voir si une tête de France a déjà mis en ligne sa vidéo. Non. Oui. On peut revenir en arrière ou pas? Ah non, je peux pas. On va aller sur le Twitch pour revenir en arrière. Hades pour aujourd'hui. Alors attention, oui. Les jeux seront disponibles pas tout de suite, hein. Bah EMB il fait 10 fois plus, 100, non 10 fois plus que nous le salaud. Vous préférez EMB qui nous pompe nos infos. Ouais, là le but c'est vraiment une seule annonce. Dites-moi juste une seule annonce. Non, une ouais. Seule j'ai dit. Ils ont tous paniqué, ils savent plus compter. Allez, on va remettre à zéro.
Ouais, Hades, c'est toujours pas annoncé en date de publication hein, sur Nintendo FR. Oh, Monster Hunter, ils sont pas encore à jour, si. Enfin, Nintendo sont pas encore à jour. Pense pas. On va aller voir. Mais j'y suis, hein, je Ah, d'accord. regarde. Hop. Si, il y a des mauvais jeux, si, 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 si. Vous inquiétez pas, on va retrouver des mauvais jeux. Non, ils sont pas encore à jour sur le site. Non, il n'y a rien Il y du a que tout. les anciens et le Stories de 3DS. Alors, on va Alors. passer par contre les annonces de Monster Hunter parce qu'on les a déjà vues. Et on va essayer de voir du coup les autres annonces, mais hop. Alors, CG Abra. Abra, CG. Qu'est-ce qu'il dit après Alex? C'est Monster Hunter. Miel, ça sera le Monster Hunter Stories. Parce qu'il est plus mignon que l'autre. Elle a raison. Ah, c'est pas le même but non plus. C'est pas. Non, là t'es copain avec les monstres, t'as pas besoin de leur casser la gueule forcément. Bah, tu casses des gueules quand même, hein. Ouais, mais t'es pas obligé. Bah, si. Enfin, dans le premier, tu faisais le fufu, tu piquais les œufs et tu te barrais, hein, et t'avais pas besoin Ouais, tu de montais te jamais de battre. niveau et puis tu pleurais ta Non, mère. tu te battais quand même. Ouais, mais ça ressemblait quand même à un Pokémon, quoi. Ah. Donc c'est moins violent. J'ai J'espère quand dit même qu'ils vont Monster revoir leur Hunter. système de farming et surtout de tour par tour qui était quand même. C'était pas le point faible, mais c'était pas top quoi. Dans lequel? Dans le Monster Hunter ou Dans dans le le 1, dans RPG? le Stories 1. Je me rappelle même plus du gameplay des combats. C'est pour te dire, je passais mon temps à passer d'antre en antre pour faire des hybrides de bestioles et avoir des bonnes couleurs. Ouais, bah justement, ça déjà. Si on peut le supprimer. Enfin. Au moins le réduire, quoi. Faut pas que ce soit que ça. C'est-à-dire que c'était un peu compliqué parce que au final, enfin, remarque, les Monster Hunter sont assez compliqués parce que pour faire les quêtes d'armure, etc., il te faut tel ingrédient, tel machin, tel morceau de monstre et tout. Donc du coup, pour faire un set complet, t'as plein d'infos à récupérer. Et le Monster Hunter Story était pareil dans le sens où tu pouvais récupérer des monstres, mais les accoupler ensemble, ou enfin, c'est pas vraiment un truc d'accouplage, mais pour récupérer des capacités de l'un ou de l'autre et tout, et ça devenait vachement verbeux, je dirais. Parce qu'il y a tellement de trucs à apprendre à... Laisse Ouais, tomber. mais je pense que c'était un bon brouillon et que ils peuvent Ouais. changer la formule, quoi, faire quelque chose de plus intéressant. If you know what I mean. Bon, là, Fitness Boxing 2, bon. Après Monster Hunter, il fallait un petit truc pas trop ouf non plus, sinon on allait faire des. Enfin, ils allaient avoir des crises cardiaques. T'imagines, ils auraient lancé Ori tout de suite après. C'était carnage. Les gens dansaient nus. Hein. Ils ont rajouté des profs. On s'en fout. 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 Passe le 1 un peu plus sérieusement sans me foutre la cheville en l'air. Bon, après. Ah mais le 1, je me suis tellement foutu la cheville en l'air que j'ai pas pu marcher pendant 6 mois correctement. 6 mois, ah, c'est quand même pas mal. Elle était toute bleue et toute violette après. Alors Et après, elle a fait l'annonce. l'arc-en-ciel. Alors, on reviendra bien entendu sur toutes ces annonces, dont bah voilà, Disgaea 6, on l'avait déjà oublié. Mais on reviendra aussi du Pas coup faux. sur Disgaea 6. Enfin, toutes les annonces, on reviendra sur l'émission de dimanche qui est déjà programmée. Hein, le programme est déjà écrit quasiment, puisqu'on reviendra aussi Ah. dimanche sur le débat. Ce sera pas forcément un débat, mais un au revoir. Larmoyant à la 3DS. On fera un petit point puisque aujourd'hui Nintendo a annoncé la fin de production de la console. Voilà, donc on verra un petit peu dessus en sorte de débat sur la fin. Bon, c'est dans la suite logique des choses, hein, de toute façon. Bon, oui, bien sûr. Je danse nu devant mon écran. Mais Fanté, on est très content de ne pas avoir de webcam. Rebelle Outlaw Galaxy sort le 22 septembre. Ah ouais, merde, en plus j'avais un truc par rapport à ça.
Je Il crois que... y a Kudao qui se propose comme volontaire pour nous aider sur le site. Ah non, pardon, j'ai mal lu. Ouais, non, il nous dit de bosser, pas de... je suis en train de bosser là. Je suis en train de bosser. Et là, en plus, il y a une... on a une proposition de stream payant. Ah, intéressant. Ouais. Faut que je retrouve Empire of Sin, un jeu plutôt médiocre. Moi. Il faut aimer le style, quoi. C'est assez spécial. Alors, Perso, c'est pas 25 du tout mon truc. dollars. Ils veulent qu'on stream quoi, ces petits gens? Bah Moi, je m'intéresse. justement, Rebelle Galaxy Outlaw. Mais du coup... je crois que c'est que en anglais. Ah, c'est sur PC aussi. Ça va son PC. LGBT basé. Ah, il faut parler en anglais tout le temps. On va aller vous faire foutre. Alors, d'ailleurs, ouais, c'est l'annonce que j'ai pas du tout suivi là. Ce Monster. Enfin, pas le Monster Hunter, le. C'est Sniper Elite 4. Alors, pour les gens du chat qui savent toujours mieux que moi, Sniper Elite 4 est sorti. C'est un nouveau jeu, c'est quoi? Rien du tout. Bon, Sniper Elite 4, bonne question. C'est horrible comme truc. Sur un autre support, tu veux dire? Ouais, sur un autre support, je sais pas. Je pense qu'il a dû le sortir. Enfin, je suis en train de chercher. Parce que c'est pas mon truc du tout. Quoi, c'est pas ton truc? Ah là, si Jérémy était Non. là, il aurait pu nous répondre, tu vois. PS4. Il est déjà sorti sur PS4, d'accord. Ouais. En 2017. Ok. PlayStation 4, Xbox One et Windows. 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 Il y a même eu un Season Pass. Est-ce que nous, le Season Pass va être inclus dedans? Ouais, je pense. Ça serait une bonne idée. Il est sorti pour la Saint-Valentin. C'est un jeu de Saint-Valentin, n'est-ce pas? Et ben voilà, on en parlait tout à l'heure, The Long Dark, justement. Long Dark. Le DLC? Non, le jeu qui sort aujourd'hui là, qui avait l'air un peu pour toi. Jeu de Ah survie oui, dans il la sort neige et aujourd'hui, tout là. Simon? Ouais, il sort aujourd'hui là. Ah, j'ai pas pris le bon nom, j'avais. C'est pas ça. Mon PGA 2011, on l'a déjà fait ensemble sur le stream, hein, vous savez. Ouais. Que je joue très bien au golf. C'est vrai. Mais tu sais que tu. On n'a pas streamé, mais t'as fini le jeu. Hein. T'as remporté. Carrément. T'as tout gagné. Ah, voilà. Dans mes toilettes, d'ailleurs. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu en stream. Oh, le petit Hadès, Un là. jeu de survie pour l'hiver, sur l'hiver. Après Windbound, on change. Hadès dans la journée. Ouais. Ah, ils sont en avance, Hadès, parce que l'automne, c'est pas tout de suite, normalement. Ouais, bah c'est une belle C'est surprise. quand l'automne, d'ailleurs? L'automne, ça commence le 21 septembre. Ouais, donc ils sont un tout petit peu en avance. C'est cool, hein? Tiens, c'est bizarre, on voit pas trop quand même de gens qui râlent, quoi. Bah là, en même temps, s'ils râlent, c'est franchement des gros. Un autre qui Ben. était pas d'accord. Mon chien, il les mange, ceux qui râlent. D'accord. Et Disgaea 6 est bien une exclusivité Nintendo Switch. Et autre Ah, information ça c'est bien. importante, il est en français. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les Disgaea. Ceux qui n'étaient pas tous en français? Oh, Non. il y a des cheveux sur la langue, moi. Alors.
celui-là, par contre, moi, il ressemble trop à... Ah bah non. Ah putain, Rune Factory, j'ai... Ah, je vais déjà... Ah, et Rune Factory 5, en 2021. J'attends le mail et je te ferai toutes les pages après, hein, t'inquiète pas. Ouais, non, mais je suis en train de faire des news, moi, en même temps qu'on discute. Entre trois têtes. On a de nouveaux followers, merci à Voigoyou et le Gamer Fou. Bienvenue chez nous, bienvenue à vous. Oh, il est beau, Rune Factory 5, quand même, bordel de merde. Quand tu vois le 4 graphiquement et le 5, il y a un boulevard. Hein. Il y a... Ouais, c'est ça. La dame, elle avait de sacrés poumons, quand même. C'est pour Jérém. Ouh, Rune Factory 5, c'est pour moi, ça. Ouais, Risa 2 va sortir, mais pas en français. Ah, à propos de ton... Oui, mais il y en a autre. Si, effectivement. C'est une annonce un peu ouf quand même. Hein. Et encore une fois, à part Monster Hunter, rien n'avait leaké. Codes sort aujourd'hui, Rune Factory 5, toutes les annonces du jour n'avaient pas été leakées. C'est quand même fou. Hein. Plus tard aujourd'hui, ça c'est vraiment fou. On sent qu'ils ont besoin d'argent. Hein. Comme elle est moche, la peluche. Je reviens dans 2 minutes, j'ai mon chien qui a besoin de sortir. Pas de soucis. That's all for today's Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Voilà, voilà. Ils enchaînent dans la foulée, c'est... J'aime bien, va bientôt développer... Voilà, tout de suite, quoi, en fait. T'as même pas le temps de lire la truc, c'est déjà là, quoi. Alors là, j'ai retiré le son, hein, pour qu'on puisse... Alors, comme je vous l'ai dit, ça arrivera plutôt vers 20h. Les sorties de jeux aujourd'hui vont arriver plus vers 20h. Justement, pour il y a les sorties de jeux classiques qui vont se faire, qui étaient prévues. Et les non prévues, elles vont être lancées après. Voilà. Donc, ne soyez pas surpris. Surpris, ne soyez pas. Je suis en train d'essayer de me renseigner un petit peu sur toutes les informations qu'on me demande. Par exemple, le collector, qu'est-ce qui sortira exactement, tout ça. Je suis en train de voir tout ça, messieurs, dames. Si vous avez des questions par rapport au Nintendo Direct d'aujourd'hui, auxquelles je peux répondre, bien entendu, je me ferai une joie d'y répondre. Plus d'informations sur un jeu ou l'autre, c'est à vous de me dire. All-Star sortira bien à minuit, oui, tout à fait. En gros, là, il y a les sorties de 15h, c'est les sorties classiques de l'eShop, celles qui étaient à, voilà. Après, vers 20h, vous aurez les sorties Hades, The Long Dark et Ori. Et ensuite, à minuit pile, vous aurez Mario 3D World. Voilà. Et n'oubliez pas, hein, si vous voulez acheter une carte eShop, si vous comptez acheter sur l'eShop, prenez une carte chez notre partenaire Eneba. Pourquoi? Parce que pour 15€, vous payez 14€, voire 13€. Et surtout, vous nous faites gagner un petit peu d'argent. Donc, tout le monde, c'est du bénéf pour tout le monde. Voilà. N'hésitez pas. Alors, Stories 2...
S'il garde le gameplay du 1, c'est du tour par tour. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Monster Hunter Stories 2 est plus Final Fantasy que Final Fantasy XVI. C'est un troll rapide, mais un troll efficace. Et je rappelle que ce soir aussi, il y aura un autre Nintendo Direct à 22, à 23h15. Donc à 23h15, j'essaierai de reprendre l'antenne pour faire l'autre Nintendo Direct. Voili voilou. Le story ira sur ma Switch Lite. Bah oui, sur n'importe quelle Switch du monde. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc le nouveau Monster Hunter hein, s'appelle Monster Hunter Rise et sortira le 26. Oula, ça bosse dur. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Tu m'as vu? Donc Monster Hunter Stories sortira. Stories, pardon. Rise sortira bien le 26 mars. Alors, hop. Tempo. On va toutes les images de Monster Hunter qu'on a pu récupérer. On va les mettre en ligne. Excusez-moi. Pas de soucis. On était en train de reparler de Monster Hunter Rise pendant que je upload les images. Ah, tu l'as déjà reçu? Non, mais j'ai pris les images sur Twitter qui sont elles-mêmes D'accord. prises de. Du coup, ça nous fera encore plus d'images. Non, non, toujours pas de communiqué de Elle presse, hein. l'annonce. Si on sait Je l'ai pas. pas reçu non plus. Non, mais on va pas le recevoir tout de suite, hein, malheureusement. On va y arriver d'ici une heure. Ouais, miel, les publications sont-elles prêtes? Petite miel. Miel est-elle encore là? Il me manque les visuels de certains jeux. Quels visuels te manquent? Je te les envoie. Tu me les envoies, je te les envoie. Enfin, on se les envoie. Sinon, On peut les envoyer. Tu vas sur le compte de Nibel, tu les auras tous. Je t'envoie son compte. Hop. Alors, on va aller aussi sur le Nightbot. Parce qu'apparemment, il y avait des soucis avec certaines commandes. Alors, le Facebook, il marche plus. Voilà. Et il n'y a pas de hashtag Twitter, tout à fait. Alors, point d'exclamation, Twitter. On l'a pas mis encore. Twitter, on a dans quand tu fais la totale. L'iBot, il met le Twitter, hein. Mais il n'y a pas la commande, effectivement. Ouais, mais voilà. Miel nous a dit il faut faire une commande. Donc je fais une commande. Voilà. Twitter. Voilà, c'est fait. On va faire aussi une commande Eneba. Ah oui. On l'a pas fait encore. Et sur Eneba, du coup, hop. Non, il n'y a pas de date. Hmm? Et Empire of Sin. J'ai pas Elle entendu. demandait la date pour Empire of Sin et je dis non, il n'y a pas de date encore. Il n'y a pas de date pour Empire of Sin, tout à fait. Mais si la pro si la préco commence, c'est prévu pour très peu de temps. Ah, le récap anglais est sorti. Ah, là en français, on va l'avoir sous peu. Espérons. Tout cas, j'ai uploadé toutes les images, quasiment. J'ai trouvé sur les internets. Voilà. Alors, au niveau information, Legend of Mana, c'est-à-dire Kuados, je ne comprends pas ta question.
La compile rétro. Ils ont lancé une compile rétro, Legend of Mana. J'ai pas compris. Je pense pas. J'ai raté quelque chose. Mais c'est pas cette fois-ci. La compile, c'est, je sais plus ce que c'est. C'est sur les Final Fantasy Legends, non? Ouais, c'est ça, Final Fantasy Legend, ouais. Saga Final Fantasy Legend. Collection of Saga, c'est pas Collection of Mana. Il y a mis Legend of Mana, donc peut-être que c'est une autre collection qu'ils ont annoncée. Je sais pas. On va attendre qu'ils nous répondent, tout simplement. Ok, autant pour moi. Ouais, donc il parlait de sûrement de Collection of Final Fantasy Adventure. Il a mangé le. Non, quand même pas. Oh, c'est fou quand Ça va être la foire. En plus, il y a déjà la date. Alors, la question maintenant, c'est est-ce que nos amis japonais ont eu plus de chance que nous, finalement? Alors, Non, oui, c'est pas faux. je vais regarder, moi. J'ai l'impression que oui. On va regarder. Ils ont avoir un long sur YouTube aussi. Hein. Nintendo Japon. Voilà. Jolé. Bon allez les gars, on se fait le petit Japon. Hop. Ils ont déjà tous les trailers. Alors, bon, ils ont comme nos Monster Hunter. Hop. Au niveau des dates, c'est la même date. Été 2021 aussi pour Stories, donc sur ça, on est sur un pied d'égalité. ソフトメーカーラインナップの第3回目をお届けします。続いてヘッドラインをご覧ください。 C'est marrant, j'ai le son de ton PC dans les oreilles. De quoi? J'ai le son de ton PC dans les oreilles dans le casque. Ah bon, d'accord. Donc, Fitness Boxing 2, c'est bon. Ah. C'est quoi ça? Donc ça c'est Disgaea 6, ok. Alors... Ah ils ont pas les mêmes images d'Hadès que nous, tiens. Ah, il est plus long Hadès chez eux, tiens. Il a l'air bien Hades quand même. Hein. Avec les ventes du rêve. Hein. J'espère qu'il est traduit quoi. Ouais. Oh là, c'est sur la Nintendo. Je sais pas s'il y est déjà. Hein. Il y était déjà l'affiche. Allô? Ouais, l'affiche, elle y était. Avec marqué prévu cet automne. Détail français, c'est écrit. Normal. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle, si en français, clairement. Ah, par contre, Hades ne sort pas tout de suite chez eux. Il sort en 2021. En 2020, pardon. Bah c'est peut-être le temps de la traduction parce que ça doit être un peu plus long du coup. Bon, ils ont Baland, ils ont Ori. Alors, Ori chez eux, il sort quand? Le collector est très beau, mais il coûte vraiment trop cher, je trouve. Et ils annoncent aussi le collector au Japon. C'est pas une bonne idée ça. Donc, eux, ils sortent pas aujourd'hui non plus. Hein.
30€ Hades. Ah ouais. Ouais, voilà. Il y avait forcément un truc qui allait pas aller. Alors, ah, Into the Breach, il sort enfin au Japon. Ça, c'est bien pour eux. Sachant que c'est chez nous déjà. Hein. Into the Breath. The Breach. Qui est un très bon alter. Ouais, mais bon. En anglais. Graphiquement, il me plaît pas du tout. Ils ont Unreal qui n'avait pas été encore lancé chez eux et qui en sortira le 23 septembre. Bon, il a l'air bien, mais j'aime pas les graphismes. Moi non plus. Puis en fait, c'est super chiant à jouer. Tu l'as aussi, on l'a déjà, nous. Non, on avait que la démo. Ah. Mais il sort en septembre, ouais. Ah bon. Il a l'air d'être bien prise de tête. Alors, ça, je le connais pas, par contre. Ah, du mecha. ロンドンキャリー。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 ロンドンキャリー
qui, si elle n'est pas trop fatiguée, streamera ses achats du jour, j'imagine. Et sinon, bah, nous, on se retrouve demain, parce que demain, de 17 à 19, comme d'habitude, c'est moi qui streamerai. Voilà, et on fera sans aucune surprise le nouveau Mario 3D All-Star. Voilà. Et bisous, à plus tard. À plus tard.